Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum, puisque les beaux jours sont enfin arrivés, ou presque. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes parfums préférés pour l'été. J'ai procédé au petit renouvellement de mon vestiaire olfactif. J'ai toute ma collection de parfums qui est dans ma chambre, et il ne faut absolument pas faire ça, mais les parfums que je porte le plus souvent au quotidien, je les mets dans des espèces de petits rangements mougis comme ça dans ma salle de bain. Alors, ils sont quand même protégés de la lumière, mais pas forcément de la chaleur quand on se douche. Bref, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais écoutez, on n'a pas non plus une maison immense. Et c'est le rangement que j'ai trouvé le plus pratique chez moi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai procédé à une petite rotation de mes parfums pour l'été. Et je vais vous montrer tous les parfums que j'ai ressortis pour cette saison. Je pense qu'il y en a pour tous les budgets. J'ai du parfum à 10 €, j'ai du parfum beaucoup beaucoup plus cher, à plus de 200 €, je pense. Ce sont des odeurs qui sont vraiment très agréables, qui sont parfaites pour l'été quand il fait beau, qu'il fait chaud. Si vous cherchez un parfum à emporter en vacances ou qui peut vous transporter en vacances parce que vous ne partez pas cet été, eh bien vous êtes au bon endroit. On commence tout de suite avec le parfum le moins cher de ma sélection du jour. C'est une marque dont je suis régulièrement les lancements, dont j'ai beaucoup parlé par le passé, un peu moins en ce moment, parce que les nouveautés me plaisaient moins, mais c'est une marque qui vaut vraiment le coup d'œil. Il s'agit de la marque Adopt, qui propose des parfums à moins de 10 €. Je crois qu'ils coûtent 9,95 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, le rapport qualité-prix est imbattable. Ils ont une sélection, mais tellement large, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi j'ai plusieurs pépites dans la marque Adopt. J'ai fait plusieurs vidéos dans le passé, notamment une vidéo qui présentait la collection Les Voyages, dont fait partie ce parfum. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et le parfum en question s'appelle Ibiza Bohemia. Je vous montre le flacon de près, mais il me semble qu'il a un peu changé. Normalement la formule du parfum n'a pas changé, mais l'étiquette est un tout petit peu différente. Mais il se présente toujours dans ce flacon un petit peu longiligne comme ça. C'est un parfum que j'aime beaucoup pour le début de l'été, puisqu'il vous met petit à petit dans l'ambiance des vacances. Ça commence à sentir bon les beaux jours, ça commence à sentir bon la chaleur, etc. Mais ça sent pas non plus la crème solaire à gogo. Donc voilà, c'est un parfum que j'ai ressorti avec plaisir cette année. La marque le présente ainsi. Faites entrer la lumière et l'esprit bohème dans vos journées avec Ibiza Bohemia, l'eau de parfum signature qui vous aligne avec la nature. Succombez à son cocktail floral et laissez-vous emporter par ses notes de tubéreuse, jasmin et noix de coco. En quelques pchites, vous voyagerez vers la plus chic des îles, ces spots paradisiaques restés secrets. Et dedans, il y a de la tubéreuse solaire en tête. En cœur, il y a du jasmin et de la noix de coco. Et en fond, il y a un accord peau salée. Et vraiment, c'est un équilibre parfait entre notes florales, notes un petit peu marines avec l'accord peau salée que j'adore, puisque en fait ça permet un petit peu de contrebalancer le côté qui peut être parfois un peu trop opulent des fleurs blanches. Les fleurs blanches, ça a ce côté qui est, comment dirais-je, très sensuel, très voluptueux, etc. Et en fait, le côté peau salée, ça permet vraiment d'apporter un petit peu de matière, de contrebalancer, comme je disais, le côté un peu trop floral. Et voilà, c'est un parfum qui est très équilibré, qui est très aérien, qui sent très bon et qui nous emporte tout de suite en vacances. Le deuxième parfum que je voulais vous présenter, malheureusement, je viens de m'apercevoir qu'il n'est plus commercialisé. Je vous le présente rapidement quand même, puisque c'est un très joli parfum qui, je crois, ne coûte pas très cher. Donc si vous le trouvez sur un revendeur de parfums ou bien neuf sur Vinted, etc., pour moi, ça reste quand même une jolie pépite. Ce parfum, c'est La Fille de l'Air édition Monoeil chez Courrèges. Donc le flacon se présentait comme ça, il était tout choupi. Ça, c'est un format 30 ml qui s'emporte facilement en vacances en plus. La Fille de l'Air, si je me souviens bien, c'est un parfum iconique chez Courrèges, ou du moins c'est un parfum qui existe depuis pas mal de temps, je crois déjà. Et la marque avait décliné au fil des années plusieurs variations. Donc là, j'ai la Monoeil, mais j'ai également la version Iris dans ma collection de parfums. Et pour vous dire rapidement ce qu'il sent, eh bien écoutez, il sent le monoeil, il sent également la fleur d'oranger, et ce que je sens surtout, comme ça au nez, c'est une overdose de musc. Donc c'est un parfum qui sent très bon les beaux jours, mais qui a un côté quand même très confortable, très moelleux. Donc voilà, parfait si vous n'aimez pas les explosions solaires, qui sentent la crème solaire, qui sentent la vanille, la noix de coco à plein nez. Ce parfum, il a ces notes-là quand même,
mais contrebalancés par une bonne dose de muscu blanc qui le rendent du coup, on va dire, un petit peu plus léger, un petit peu plus délicat et très réconfortant également. On passe ensuite à un parfum que vous pouvez trouver facilement chez Sephora, c'est un parfum de la marque Kayali. C'est une marque que j'ai découvert, je dirais, il y a peut-être un an et demi. Je lui avais dédié une vidéo où je vous présentais trois parfums que je découvrais à l'aveugle. Je vous le remettrai également en barre d'infos. Et le parfum qui est pour moi le plus approprié pour ce début d'été, c'est le parfum qui s'appelle Utopia Vanilla Coco 21, pardon, j'allais dire 2021, je ne sais pas pourquoi. Donc il se présente comme ça dans un joli flacon qui est chromé rose. Alors, qui prend un petit peu la marque, les traces de doigts, mais qui est vraiment très très joli, je trouve. C'est une marque qui m'a surprise dans le bon sens du terme, puisque Kayali, si vous ne le savez pas, c'est une marque de parfum qui a été fondée par la sœur de la fondatrice de la marque de maquillage Huda Beauty. Et puis je voyais un petit peu les communications, je voyais les flacons, je voyais les publicités, et je pensais à première vue que c'était pas forcément une marque qui était faite pour moi, avec des propositions olfactives qui n'allaient pas correspondre à mes goûts personnels. Néanmoins, vous allez le voir avec la vidéo dont je viens de vous mentionner, j'ai quand même trouvé de jolis jus et des fragrances qui correspondaient à mes goûts, et celui-là en fait partie. C'est un parfum qui est bien plus crémeux, bien plus dense que les deux que je viens de vous présenter, mais qui sent vraiment très très bon. Je vais vous dire tout de suite comment la marque décrit ce parfum. Plongez dans vos plus beaux songes, ceux où les nuages semblent à portée de main, et laissez-vous flotter allègrement au milieu d'étincelantes possibilités. Et dedans, il y a du chèvrefeuille en tête, de la fleur de poirier, du citron italien et de la noix de coco. En cœur, il y a un cœur floral de jasmin, gardenia, tubéreuse, ambrette. Et en fond, il y a du bois de santal, du patchouli, de la vanille bourbon et des muscs. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est en fait très onirique. Comme la marque le décrit, on a l'impression d'être dans un nuage de parfum. C'est à la fois vaporeux, à la fois aérien et quand même assez dense, assez rebondissant, bah un peu comme un nuage en fait. Et avec des odeurs qui sont vraiment très réconfortantes, qui sont très crémeuses. On sent très bien la noix de coco. Donc si vous êtes une amatrice de cette note ou un amateur de cette note, allez sentir ce parfum. Si vous n'aimez pas cette note-là, cette matière première, je suis pas sûre qu'il vous convienne parce que c'est un ingrédient qui est quand même incontournable dans cette composition. Il y a également des muscles qui permettent de l'adoucir, de lui donner beaucoup de rondeur. C'est un parfum qui est très réconfortant. Mais avec la vanille, la noix de coco et les notes pétalées, je trouve que ça fait un bon combo pour les premiers jours de l'été. Alors, on est début juillet, donc l'été a déjà commencé, théoriquement. Je ne sais pas vous, mais à Paris, l'été se fait encore très timide. Donc voilà, pour l'instant, je trouve que c'est un parfum qui est très adapté à ce genre de climat où il fait encore frais le matin, il fait un peu plus beau l'après-midi. Personnellement, c'est pas un parfum que je porterais en plein cœur de l'été quand il fait très beau, très chaud. Pour ce genre de climat, j'aime bien les parfums qui sont un petit peu plus légers. Mais quand c'est un peu aléatoire, comme en ce moment, on va dire, c'est un parfum qui est très joli, qui vous donne beaucoup de chaleur et beaucoup de crémeux le matin, et qui vous accompagne tout au long de la journée avec une note estivale qui est, ma foi, très agréable. On passe ensuite à deux parfums de marques confidentielles qui, selon moi, sont très similaires. Ceux-là, vous pouvez les trouver dans les plus grands Sephora. Ce sont des marques qui ne sont pas disponibles dans tous les Sephora. Mais si vous avez un grand Sephora près de chez vous, où il y a un bel espace parfum, sinon vous les trouverez également en grand magasin et en ligne, évidemment. Ce combo, c'est Beachwalk de Maison Margiela et Vanilla Vibes de Juliette Azegun. Je vous les présente ensemble parce que, à mon sens, il n'est pas indispensable de posséder ces deux parce qu'ils ont, je trouve, un squelette commun. Ce sont pas des dupes. Pour moi, il y a quand même des différences dans les notes et dans l'interprétation qu'ils font de la crème solaire, de l'été, etc. Mais je les trouve quand même très similaires. C'est pour ça que je vous les présente ensemble. Ce sont deux favoris. Celui-là particulièrement, je le possède depuis de nombreuses années. Je me demande même si c'est pas mon premier parfum de marque un petit peu confidentielle. Je pense que je le possède depuis, je dirais, pas loin de 7 ou 8 ans. Il n'a toujours pas tourné. Heureusement, parce que c'est un parfum que je ressors vraiment tous les étés. Je l'adore, ce parfum. C'est donc Beachwalk de la marque Maison Margiela.
C'est un parfum qui vous emmène à Calvi en 1972, puisque la marque, sur son étiquette, vous propose toujours une destination et une impression de ce parfum. Donc là, la marque décrit ce parfum comme une peau dorée au soleil et salée par l'eau de mer. Et c'est exactement ce que ça sent. Ce parfum est ultra figuratif. Vous mettez le nez sur le parfum et vous êtes tout de suite transposé sur une plage. C'est la fin de l'après-midi, vous avez passé la journée sur la plage, sur le sable, donc vous avez les cristaux de sel qui ont séché sur votre peau, vous avez encore des restes de crème solaire, il y a le soleil qui tape encore bien fort, c'est exactement ce que ça sent. Si vous partez en vacances, c'est le parfum idéal à emporter avec vous, et si vous ne partez pas en vacances, ça vous mettra probablement de bonne humeur et du baume au cœur. C'est un parfum qui est très beau, qui est très estival. Moi j'adore le côté crème solaire qui est là aussi contrebalancée par une note salée qui est très présente. Vous avez vraiment le côté crème solaire, vanille, monoï et en même temps le côté eau de mer. Voilà, l'équilibre est juste parfait. C'est un parfum que j'adore. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve qu'il a, alors la tenue est bonne, mais je trouve qu'il a une diffusion qui pourrait être un petit peu plus élevé. C'est pas un parfum qui va sentir très fort autour de vous. En un sens, c'est un bon point également, puisque sinon il pourrait vite donner mal à la tête. Mais j'aurais apprécié qu'il diffuse un petit peu plus. Mais bon, ce parfum, il a vraiment tout bon. Quand je l'aurai fini, évidemment que je le rachèterai. C'est vraiment, je pense, mon parfum préféré pour l'été. S'il devait n'en rester qu'un, ça serait Beachfolk de Margiela. Pardon, je me suis tellement emballée sur ce parfum que je vous ai même pas lu la description olfactive. Dedans, en note de tête, il y a de la bergamote, du citron et du poivre rose. En note de cœur, il y a de la noix de coco, de l'héliotrope et de l'ylang-ylang. Et en fond, de la résine de benjoin, du cèdre ainsi que du musc. Et on passe ensuite à la deuxième fragrance super estivale dont je vous ai parlé juste avant. Il s'agit, alors attendez, je vais me reculer. Il s'agit du parfum Juliette Has the Gun Vanilla Vibes, qui se présente comme ceci, dans ce magnifique flacon dégradé, qui fait également penser à la plage, à la mer, etc. Et celui-là, comme je vous le disais, je trouve qu'il a un peu la même structure. Vous allez voir, il y a des notes en commun, mais au nez, on va dire qu'il a une odeur qui est quand même différente, même si c'est une odeur qui est assez similaire. Dedans, il y a de la fleur de sel, de l'orchidée, de la vanille, du benjoin, du bois de santal, de la fève tonka, ainsi que des musques bruns, pardon, cette fois-ci. Et ce parfum, je le trouve un petit peu plus ambré, dans le sens où on sent très bien la vanille. Évidemment, ce parfum s'appelle Vanilla Vibes. Donc je dirais que le cœur de ce parfum, c'est la vanille. Tandis que dans celui-là, ça serait plutôt la noix de coco. Mais vraiment, je dirais que c'est du détail. Les deux parfums sont très beaux. Il y a le côté opulent, crémeux, de la vanille, du benjoin, qui est là aussi contrebalancé par une note salée. Et c'est un parfum qui est également très très beau, qui est très solaire. Ceux-là sont assez ambrés. Néanmoins, je les trouve relativement légers quand même. Ce ne sont pas des parfums qui poissent sur la peau, qui restent agréables, même s'il fait très chaud dehors, qui ne vont pas vous incommoder. Donc voilà. Ces deux parfums-là, vraiment, ce sont des petites pépites pour cette saison. Et pour finir, j'avais encore deux parfums à vous présenter. Si, en fait, pour l'été, vous ne recherchez absolument pas de notes de crème solaire, de vanille, de monoï, etc., et ben restez bien jusqu'à la fin. J'ai deux parfums qui sont diamétralement opposés à tous ceux que je viens de vous présenter. À commencer par un parfum Jo Malone qui s'appelle Earl Grey and Cucumber. C'est une colonne. C'est un parfum qui se présente comme ceci, c'est un flacon de 30 ml que j'ai hélas bientôt fini. Celui-là, je m'en asperge vraiment le corps quand il fait très très chaud. C'est un parfum que j'aime beaucoup, je l'ai acheté je dirais il y a 2 ans ou 3 à la Samaritaine quand ça a rouvert. Et c'est comme ça que j'ai découvert la marque Jo Malone. Enfin, je la connaissais déjà avant, mais en tout cas c'est mon premier parfum de la marque. C'est à ce jour mon seul parfum de la marque, je ne sais pas pourquoi, puisque j'aime beaucoup ce que propose la marque. Ce sont des parfums qui sont toujours très légers, très aériens, très délicats. Et quand je dis léger, c'est pas du tout léger dans la tenue ou dans la diffusion, c'est un parfum qui, je crois, diffuse plutôt bien. Mais si vous cherchez des parfums qui sont délicats, qui sont pas trop épais, qui restent vraiment très très élégants, un petit peu romantiques à l'anglaise, puisque c'est une marque anglaise, vraiment aller voir du côté de Jo Malone. C'est une marque qui est vendue en grands magasins. Vous la trouverez, je pense, dans tous les grands magasins. Et également dans les Sephora assez grands qui ont un espace parfum bien doté.
Tout ça pour vous dire que c'est un parfum que j'ai acheté en pleine canicule. Je me souviens très bien, il faisait très chaud ce jour-là. J'avais besoin de me désaltérer et ce parfum-là, il est tellement frais. Dedans, il y a, comme son nom l'indique, une note de thé Earl Grey. Il y a une note de concombre. Il me semble de mémoire qu'il y a énormément de musc également. Et ce parfum est tellement beau, tellement frais, tellement désaltérant. Ça vous donne tout de suite l'eau à la bouche. C'est vraiment la représentation d'un thé glacé que vous dégustez à l'ombre d'un arbre en fleurs, dans un parc, au calme. C'est vraiment un parfum frais. C'est une bouffée d'air frais. C'est un splash de fraîcheur que vous appliquez sur la peau. Donc voilà, si vous cherchez un parfum qui soit aquatique, délicat, et qui peut vous accompagner tout l'été, allez sentir Earl Grey and Cucumber de Jo Malone. Ça fait 3 ans ou 2, je ne sais plus, que je le possède et vraiment, il me plaît toujours autant. Il me reste un dernier parfum à vous présenter et pas n'importe lequel puisque il coûte malheureusement très cher, mais je trouve qu'il mérite vraiment d'être senti. Il s'agit du parfum On The Beach de la marque Louis Vuitton. Il se présente dans un flacon lui aussi dégradé avec des nuances de rose et de bleu. Je le trouve vraiment très très beau. C'est un très bel objet. Les parfums Vuitton, vous les trouverez exclusivement dans les boutiques Vuitton et également en ligne. Et ce parfum, il s'appelle On The Beach, mais il est diamétralement opposé à celui qui s'appelle Beachwalk de Margiela, dans le sens où là vous n'allez retrouver aucune note solaire, aucune note de vanille, de monoï, de noix de coco ou quoi que ce soit. On The Beach, celui-là je l'interprète comme une plage sauvage, une plage où on ne pourrait pas se baigner, il y aurait par exemple que des rochers à flanc de falaise, etc. Et on ne serait pas au cœur de la journée, l'après-midi ou quoi que ce soit, on est vraiment sur une balade matinale, voire au lever du jour, sur une plage sauvage, avec une nature sauvage également. C'est un parfum qui est vraiment très beau, je trouve, et qui propose une lecture originale pour l'été, je dirais. La marque le décrit comme l'éclat du yuzu, comme le soleil au zénith sur une plage d'été. Alors voilà, bon, alors Vuitton place ce parfum au cœur de la journée. Moi, je trouve qu'il sent plutôt le lever du jour, le petit matin. L'extase du soleil, le tempo de la mer et la douce chaleur du sable sur la peau. Le maître parfumeur Jacques Cavalier Beltru conjugue les infinies émotions d'une journée sur une plage ensoleillée. Et dedans, il y a du yuzu du Japon, du néroli de Tunisie, des herbes aromatiques comme du thym, du romarin. Il y a également des épices comme la bérose et le clou de girofle, pardon. Et il y a également du cyprès. Et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très frais. Même froid, je dirais. C'est pour ça que je place ce parfum à une heure où le soleil n'est pas encore levé. On sent vraiment très bien le néroli. Et là, le néroli est pas du tout solaire pour moi. Je le trouve vraiment frais, limite croquant, puisqu'il est accompagné d'herbes aromatiques qui lui donnent beaucoup de peps et de vivacité. Il y a le côté yuzu également. Le yuzu, c'est un agrume qui ressemble à un petit citron qui vient du Japon. Et ça lui donne beaucoup de lumière, un peu d'acidité également, mais ça lui donne beaucoup de peps. Et c'est un parfum qui est vraiment très singulier, je trouve. C'est un parfum qui est mixte et qui, je trouve, apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de lumière, sans jouer, du coup, la partition crème solaire, monoï, etc. Donc voilà, un parfum pour l'été qui est vraiment très très, très original, pardon, qui est malheureusement très coûteux, mais si vous voulez vous faire un beau cadeau, allez sentir On The Beach de Louis Vuitton. Et voilà qui clôt ma sélection parfumée pour l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les parfums que vous adorez porter l'été, que vous aviez ressortis pour les beaux jours, etc. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo... Je ne sais plus ce que c'est. Ah si, c'est une vidéo mode, pardon, je vous présenterai un lookbook pour l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.